Buenos días. Espero que... Si c'est moi qui vais le faire. Están bien, han dormido bien. Ahora vamos a tener las últimas conferencias esta mañana y esta tarde. Donc bonjour à tous. Je vais traduire, la conférence ce matin se font en français et moi je traduirai à droite en espagnol. Donc les francophones sont mieux placés s'ils vont à gauche. Dites-moi si le micro marche bien, hein. C'est à Benjamin qu'il faut dire, si tu as des remarques. Ça va? Vous entendez bien? Plus fort? Plus près? Comme ça? N'hésitez pas, hein, parce que c'est pas la peine de dire après coup que vous n'avez rien entendu. Est-ce que ça va bien comme cela? Je parle. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il faut améliorer? Mais dites-moi, est-ce qu'il faut parler plus près, plus loin? Je comprends pas. 1, 2, 3. Est-ce que vous comprenez mieux? C'est à Benjamin qu'il faut expliquer. Donc je parle pour que vous puissiez entendre. Donc à ma droite, à votre gauche, seront la traduction en espagnol et de ce côté-là, plutôt les francophones, s'ils ne veulent pas entendre le murmure de la traduction. Hein. Oui, vous m'entendez là? C'est bon? Est-ce que c'est assez fort? Non? Pas assez fort, là il faut parler comme ça, d'accord, très bien. Vous pouvez même faire un peu plus tôt pour aller. Bonjour, vous commencez à arriver. Non? D'accord, oui, non. Je commence, et si ça ne va pas, n'hésitez pas, hein, suivant la voix du professeur. Que je présente maintenant, le professeur Georges Bergonius vient de Paris. Il est administrateur à l'Assemblée nationale française. Ancien chef du service juridique du Conseil constitutionnel français. Il est professeur associé de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En castellano, es administrador en la Asamblea Nacional Francesa. Los Cortes, si quiere. Ha sido jefe del servicio jurídico del Consejo Constitucional francés y es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad 1 en París, Panthéon Sorbonne. Je le remercie vivement d'être parmi nous pour sa contribution à ce colloque. Merci beaucoup. Merci, c'est moi tout d'abord qui vous remercie de m'avoir invité pour participer un peu en tant que pièce rapportée à votre colloque, parce que je vais centrer mon intervention essentiellement, je vais le dire tout à l'heure, sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le droit constitutionnel français. Après avoir fait une introduction un peu générale sur les données du problème, c'est-à-dire les notions de droit positif et de droit naturel, on essaiera de voir comment ces notions sont reçues en contentieux constitutionnel français, c'est-à-dire voir dans un premier temps le droit constitutionnel français, le droit du contentieux constitutionnel français consacre le positivisme, se déclare même profondément positiviste, mais on verra que malgré tout, cette jurisprudence reflète, avec des nuances, mais reflète un droit naturel, immanent. Alors, on connaît tous le mythe d'Antigone, hein, dans la célèbre pièce de Sophocle, et on se souvient d'Antigone qui a donné, contre les ordres de son oncle, qui est le roi Créon, une sépulture
Apollinis et qui va pour cela être elle-même condamnée à une mort atroce, mais elle répond, j'ai désobéi à la loi, car ce n'était pas Zeus qui l'avait proclamé, ce n'était pas la justice, et je ne pensais pas que tes décrets à toi, que ta loi à toi, ton droit positif à toi, fussent assez puissants pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent pas, celles-là, ni d'aujourd'hui, ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. » Alors Antigone oppose aux lois que posent les hommes des lois qui ne sont peut-être pas écrites, mais qui s'imposent à eux s'ils savent écouter la voix de leur conscience pour les distinguer des lois positives. On dit qu'elles sont divines ou naturelles. D'où l'idée de ce droit naturel, d'un droit qui est droit par nature et non par convention. D'où l'idée également d'un droit de loi supérieure au droit positif, de lois qui s'imposent aux législateurs, serait-il constituant ? On y reviendra. Ainsi, ce ne sont pas les conventions humaines qui décident du juste et de l'injuste. Il y a une justice naturelle et la mesure de celle-ci est transcendante. Que cette transcendance soit celle du cosmos, qu'elle soit celle de Dieu, qu'elle soit celle par la suite de la raison pour le rationalisme classique. Et il existe une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme la divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n'existe entre eux aucune communauté ni contrat. J'ai cité Aristote dans la Rhétorique. Alors l'idée de ce droit naturel consiste donc toujours à se réclamer d'un ordre étranger à l'arbitraire des décisions humaines. C'est un ordre transcendant, éternel, universel, destiné à asseoir la légitimité du droit positif ou au contraire à marquer l'écart entre ce droit positif tel qu'il est institué en fait et le droit tel qu'il devrait être en droit. Voilà cette grande distinction bien connue entre l'être et le devoir-être. Alors on sait que la doctrine thomiste réalise une assimilation de la philosophie d'Aristote. Elle implique une confiance en la sagesse humaine, mais aussi l'humilité devant un univers qui ne se réduit pas à l'homme. Il existe une loi éternelle qui est le plan de Dieu sur la création, la raison divine ordonnant le monde. Cette loi est complète et parfaite puisqu'elle dispose des attributs de son auteur. Ce faisant, le juste naturalisme conduit à une parfaite identité en réalité entre le droit et le juste. L'homme, animal social, doit vivre en société, exigence de la nature de l'homme, être moral, raisonnable, religieux. Or, pour vivre en société, il faut une autorité commandant à la société en vue du bien commun. Cette autorité est donc une exigence de la nature et ne peut procéder que de Dieu, son auteur. Alors, par la suite, le concept a été renouvelé, on connaît, mais pas moi qui prétendrai vous en parler doctement, le rôle de l'école de Salamanque, qui met en avant les droits naturels de l'homme avec Vittoria, le droit à la vie, droit à la liberté de penser, le droit à la dignité. Tous les hommes partageant la même nature partagent aussi les mêmes droits, comme l'égalité ou la liberté. Puis Grotius a laïcisé le concept en affirmant dans le prologue de son De jure belli ac pacis
que des droits naturels de l'homme existeraient etiam si daremus non esse deum, donc même s'il n'y avait pas de Dieu, ce que d'ailleurs Grotius tient au demeurant à titre personnel pour absurde, eh bien il existerait, même s'il n'y avait pas de Dieu, des droits naturels de l'homme. Et Grotius s'attache avec Pufendorf, avec Thomasius, à l'examen de la seule nature humaine, d'où par une suite de déductions rationnelles sont tirées les règles du droit naturel. Par exemple, puisque tout cela peut paraître très théorique, l'homme étant un être sociable, eh bien, l'obligation de respecter les conventions en découle. Il insiste également sur le lien entre la nature et la raison. La nature se comprend comme la nature raisonnable des choses. Ce qui est fondé en nature est ce qui est fondé en raison, et je le cite, « Pour commencer par le droit naturel, il consiste dans certains principes de la droite raison qui nous font connaître qu'une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu'elle a avec une nature raisonnable et sociable. » Enfin, la philosophie triomphante au XVIIIe siècle apporte au droit naturel, ou plutôt sans doute au droit naturel au pluriel, distinction sur laquelle il faudra revenir, un éclairage particulier, celui de la volonté individuelle, source du pouvoir politique et des lois. Les valeurs éternelles sont celles qui sont relatives à l'être humain, d'où l'essor de la notion de droit subjectif. Tel est le sens de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Dans le même esprit que la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui la précède seulement de 13 ans, en 1776, ou des amendements, les premiers amendements à la Constitution des États-Unis, qui, vous le savez, marquent les toutes premières années du XIXe siècle. C'est un seul et même mouvement par des hommes qui étaient contemporains. Alors, on voit que cette notion est loin d'être univoque, qu'elle peut être source de confusion. La première entre droit naturel au singulier, qu'on a vu, et ses droits naturels subjectifs, ses droits naturels inhérents à l'homme, des déclarations de droit. Autre confusion, celle entre morale et droit naturel. La rationalisation de l'État par le droit va conduire Kant, par exemple, à distinguer les règles de droit de celles de la morale. La règle morale, elle est sanctionnée de manière ajuridique, par la réprobation, par exemple, ou par le remords. En revanche, elle n'est pas coercitive, car pour prendre un acte de contrainte destiné à sanctionner la conduite opposée à ce qui est prescrit, il faut disposer du monopole de la force permettant de réglementer les comportements humains à l'intérieur d'une communauté, ce qui est le propre du juridique. Et donc la norme juridique se reconnaît à son effectivité. Elle a été posée en un certain lieu, en un certain temps, et elle peut mobiliser la force publique pour être rendue exécutoire. Il y a ainsi une spécificité du juridique que souligne le grand défenseur, le grand promoteur du positivisme juridique, qui est Hans Kelsen, qui réside dans le caractère contraignant du droit. Le droit, dit-il, est un ordre extérieur de contrainte. Cette spécificité du droit, c'est son autonomie. On peut certes invoquer la morale pour juger du droit positif, de son caractère juste ou injuste,
Mais tout est alors affaire d'opinion. Et je vais citer Kelsen, peut-être un peu longuement, mais qui expose très clairement cette vision du droit positif. Celui qui tient un ordre juridique ou l'une de ses normes pour juste ou injuste se fonde souvent non sur une norme d'une morale positive, c'est-à-dire sur une norme qui a été posée, mais sur une norme simplement supposée par lui. Il considérera, par exemple, qu'un ordre juridique communiste est injuste parce qu'il ne garantit pas la liberté individuelle. Or, il suppose donc qu'il existe une norme disant que l'homme doit être libre. Or, une telle norme n'a été établie, dit Kelsen, ni par la coutume, ni par le commandement d'un prophète. Elle est seulement supposée constituer une valeur suprême, immédiatement évidente. On peut être d'un avis opposé et considérer qu'un ordre juridique communiste est juste, au contraire, parce qu'il garantit, dit Kelsen, la sécurité sociale. On suppose alors que la valeur suprême et immédiatement évidente est une norme disant que l'homme doit vivre en sécurité. Les hommes, poursuit-il, divergent d'opinion quant aux valeurs à considérer comme évidentes, et il n'est pas possible de réaliser toutes ces valeurs dans le même ordre social. Il faut ainsi choisir entre la liberté individuelle et la sécurité sociale, avec cette conséquence que les partisans de la liberté jugeront injuste un ordre juridique fondé sur la sécurité et vice-versa. Voilà ce qu'on trouve dans la théorie pure du droit, et on comprend mieux ce titre de cette grande œuvre de Kelsen qui est la théorie pure du droit, c'est-à-dire le droit et seulement le droit. Le réalisme exige donc de reconnaître l'autorité, l'autonomie du juridique. Ce qui fonde le droit, c'est donc ce qui a été posé. La validité d'un ordre juridique est liée à son effectivité, de telle sorte qu'un ordre juridique totalitaire n'en est pas moins un ordre juridique qu'un ordre démocratique. Le positivisme juridique fait donc du droit une pure technique et l'ordre juridique un ensemble de normes dans lequel chaque règle doit être conforme à la règle qui lui est hiérarchiquement supérieure. Telle est ce qu'on appelle la pyramide kelsénienne et l'ultime fondement de validité doit être cherché dans ce qu'il nomme lui-même la norme fondamentale. Mais Kelsen précise tout de suite que cet ultime fondement de validité ne doit pas s'entendre sur un mode jus naturaliste, comme ce qui légitimerait moralement l'ordre juridique, comme une sorte de Big Bang ou de Fiat Lux initial, mais sur un mode positiviste, comme la reconnaissance par les citoyens du droit du pouvoir constituant. Le positivisme normativiste, théorisé par Kelsen, fait ainsi reposer la totalité du droit sur une hiérarchie de normes au sommet de laquelle on trouve la constitution de l'État. Dans une telle construction, la légalité et, en dernière analyse, la constitutionnalité forment les seuls critères positifs du juridique. Ainsi, même si les droits de l'homme
préexistent à la norme qui les déclare, qu'il s'agisse d'une constitution ou d'une convention internationale qui va reconnaître ces droits de l'homme. Eh bien, cette préexistence n'a pas d'effet juridique, dans la mesure où, en tant que droit subjectif, les droits de l'homme ne sont opposables que dans le cadre d'un ordre juridique. Ainsi, les déclarations de droit prévalent sur les droits eux-mêmes dont la juridicité va dépendre de la norme qui les déclare. D'où, à ce moment-là, selon certains justes naturalistes, un ordre juridique contradictoire qui prétend fonder sa légitimité sur des droits fondamentaux, en réalité qui sont tout entiers absorbés par une loi qui ne connaît d'autre limite qu'elle-même. En outre, avec le positivisme kelsénien, eh bien, tout ce qui se fonde sur la loi est du droit. La conséquence inéluctable d'un tel formalisme est que certaines abominations, dès lors qu'elles sont permises par la loi, doivent être considérées comme du droit. Et d'ailleurs, Kelsen lui-même le constate, pour s'en offusquer, je vous rassure, pas pour s'en féliciter, mais quand il dit que le droit de certains États totalitaires autorise le gouvernement à enfermer dans des camps de concentration les personnes dont les mentalités ou les tendances ou la religion ou la race lui sont antipathiques et à les contraindre aux travaux qu'il lui plaît, voire à les tuer. Et il poursuit, si énergiquement que l'on puisse condamner de telles mesures d'un point de vue moral, on ne peut cependant les considérer comme étrangères à l'ordre juridique de ces États. Ce qui fait dire à Jean-Baptiste Daunier, dans une conférence fort intéressante prononcée dans un colloque à la recherche d'une éthique universelle en 2012, que la certitude du droit et le refus de tout fondement métaphysique de l'ordre juridique conduit à la juridicité d'Auschwitz ou du Goulag. Alors, pour approfondir la réflexion à ce stade, on peut se reporter aux travaux de quelqu'un qui, en France, a beaucoup revisité le juste naturalisme et qui est Michel Villet. Contre le positivisme juridique, tout d'abord, Michel Villet a affirmé la nécessité de saisir dans l'activité juridique effective du particulier, du juge et même du législateur, un droit naturel consistant à accorder à chacun ce qui lui revient. Suum cuique tribuendi, hein, cette célèbre formule qui ouvre le digeste, digesté, établi, vous vous en souvenez, à l'initiative de Justinien, est pour lui plus réaliste, plus concrète pour décrire le droit que tous les systèmes purs hérités de Kelsen ou même de Kant. Le droit ainsi envisagé n'est pas une science, c'est une occupation pratique d'attribution. Plus précisément, l'art juridique, nous dit-il, doit découvrir la solution juste, celle sur laquelle les parties peuvent être conduites à s'entendre, devant laquelle il y a le plus de chances qu'elles acceptent de s'incliner. Et déjà se dessinent quelques principes de combat contre le positivisme.
Le devoir-être n'est pas séparé de l'être. Le droit n'est pas une prescription ou une exigence, mais un constat de répartition. Le droit ne se réduit pas à l'obéissance au droit officiellement en vigueur, et d'une manière générale, le droit ne se réduit pas à des règles ou à des lois. En second lieu, il dénonce le moralisme en droit qui accompagnerait, selon lui, le droit naturel moderne tel qu'il a pu suivre les philosophes du XVIIIe siècle. Et en effet, prétendant se fonder sur une raison a priori, dépourvu de préjugés, ce droit naturel hérité du XVIIIe siècle, celui-là, veut reconstruire l'ensemble du droit autour de la notion de droit subjectif. Et Villet nous dit que cette conception s'est développée à mesure des progrès du subjectivisme. Elle renonce à lire dans la nature des rapports des obligations sociales. Elle n'y discerne que des droits individuels et des libertés. Et cette approche confond précisément morale et droit. Quand il dit que tous les hommes soient égaux, que la guerre doit être proscrite, que toute violence doit être condamnée, certes, mais ce n'est pas là souvent du droit, c'est de la morale pure. Le droit est ailleurs, et effectivement pour Michel Villet, essentiellement dans le droit privé, qui se contente d'établir la part de chacun. Alors, dernier élément est que l'opposition entre droit naturel et droit positif se trouverait dans une autre confusion très largement répandue, qui est celle entre le droit et la loi, une confusion qui imprégnerait la pensée contemporaine. Or, il existerait une distinction réelle entre le droit et la loi, en ce sens que le droit n'est pas précontenu dans la loi, mais dans la nature des choses. Certes, mais de nouveau pour les positivistes, l'incertitude de la loi naturelle ne peut qu'emporter l'incertitude du droit naturel. L'existence même de ce droit naturel, selon eux, devient hypothétique. Or, un droit hypothétique n'est pas un droit. Pour le devenir, il faut qu'il en passe par la loi positive, par exemple par une déclaration de droit qui seule lui conférera valeur certaine. Dès lors, seul le droit positif, entièrement, uniquement déduit de la loi positive, apparaît comme véritablement du droit. Le droit naturel, fondé sur cette loi hypothétique, eh bien, lui peut relever de la croyance ou d'un idéal, mais ne saurait prétendre à une véritable juridicité, faute de certitude. Alors, fort de ces éléments, quelle place faire au droit naturel aujourd'hui? Je ne suis pas un philosophe du droit, encore moins un philosophe tout court, et encore moins sans doute un théologien. Je suis un juriste, au demeurant d'ailleurs davantage un praticien qu'un théoricien, un praticien qui a suivi la loi de sa fabrication jusqu'au contrôle de constitutionnalité, et puis qui réfléchit à ces questions
comme on vous l'a dit, comme professeur à Paris 1, et j'écris un petit peu sur ce droit que je connais le moins mal, c'est-à-dire celui de notre Constitution, chez nous, en France, de la Ve République. Et donc, c'est sous cet angle-là que je vais tenter de répondre à la question de savoir si le droit positif exclut le droit naturel. Pour cela, je m'appuierai sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel français qui a connu depuis 50 ans une prodigieuse montée en puissance, ont encouragé l'ouverture de sa saisine en pratique à l'opposition parlementaire au milieu des années 70 et indirectement aux citoyens depuis 2008 avec la création d'une nouvelle voie de droit qui s'appelle chez nous la question prioritaire de constitutionnalité. Et je vais essayer de démontrer que si le contentieux constitutionnel consacre le positivisme juridique, eh bien, il n'en reflète pas moins un droit naturel immanent, sous les réserves que j'ai essayé d'énoncer dans l'introduction. Alors, cette consécration du positivisme, je ne vous ferai pas un cours de droit constitutionnel et encore moins d'histoire constitutionnelle, il faut rappeler pour cela que chez nous en France, tout ce qui est contrôle de constitutionnalité faisait mauvais ménage avec la création de la République, tout simplement parce que historiquement, le contrôle de constitutionnalité se rapportait à des régimes qui n'avaient pas grand-chose de républicain. Il faut avoir présent à l'esprit cette raison historique. Et lors de la création du contrôle de constitutionnalité, balbutiant au tout début de la Ve République, il ne s'agit en aucun cas d'établir un contrôle de constitutionnalité au regard des droits substantiels, pas du tout. C'est un simple organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Un simple organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, c'est ainsi lui-même qu'il se qualifie, et même sans doute, on peut penser que cet organe a été créé pour éviter un véritable contrôle de constitutionnalité. Les travaux préparatoires de notre Constitution en France sont tout à fait éclairants en ce sens, et quand la question est posée, bien celui qui représente le gouvernement dans le cadre du comité consultatif constitutionnel répond très clairement qu'en aucun cas, bien sûr, il s'agira pour le Conseil de contrôler la constitutionnalité des lois au regard des droits et libertés qui sont contenus chez nous dans le préambule. Je vais y revenir dans un instant. Ceci est important parce que il est clair que d'emblée, le Conseil constitutionnel, qui va s'affirmer malgré tout comme un défenseur des droits et libertés, part avec ce handicap initial que ça n'est pas ainsi qu'il a été conçu. À l'inverse, par exemple, deux cours constitutionnelles, et on ne s'en étonnera pas, qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, que je pense à la cour allemande de Karlsruhe ou au tribunal constitutionnel italien, et on voit pourquoi, bien sûr, dans les deux cas, on attend de cet organe qu'il contrôle la constitutionnalité des lois au regard des droits fondamentaux, précisément parce que les régimes qui étaient en place dans l'entre-deux-guerres n'avaient pas pu s'opposer juridiquement à
la création de l'État nazi. La République de Weimar n'avait pas pu faire face à la création de l'État nazi. Et de la même manière, l'État italien, ce qu'on appelait le statut albertin, c'est-à-dire la constitution italienne qui avait été créée après la réunification de l'Italie à la fin du XIXe siècle, eh bien là aussi, le statut albertin n'avait pas pu s'opposer à la montée du fascisme. Bien au contraire, et dans les deux cas, vous le savez, institutionnellement, ce ne sont pas par des coups d'État que les nazis ou les fascistes sont arrivés au pouvoir en Allemagne ou en Italie, mais de manière parfaitement légale, dans le cadre des institutions qui étaient celles de la République de Weimar d'une part, d'autre part du statut albertin. Donc on comprend qu'après-guerre, ils avaient fait ce choix d'avoir un organe qui pourrait, en tant que de besoin, au moins juridiquement, après il faut en avoir les moyens, mais au moins juridiquement s'y opposer. Nous ne sommes pas du tout dans cette conception-là lorsque le Conseil constitutionnel est créé en 1958. Alors, les juristes français savent ce qu'il en est advenu. À partir des années 70, au contraire, le Conseil constitutionnel, dans une très célèbre décision, peut-être la seule à connaître par les étudiants, celle du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel, de son propre mouvement, motu proprio, comme on dit en latin, eh bien, a inclus précisément, au nombre des normes de référence, le préambule, et à l'intérieur du préambule, la composante la plus vague, peut-être la plus contestable du préambule, car c'est précisément au juge constitutionnel qu'il revient de la dégager. C'est ce que la Constitution appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Peu importe, retenez l'idée d'une reconnaissance officielle de la valeur constitutionnelle du préambule dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois les droits de 1789, ceux de 1946, j'en reparlerai, et qui eux-mêmes font référence à ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais une telle révolution, du moins tel est mon avis, ne pouvait s'opérer qu'au prix du renoncement par le Conseil à entrer en lutte avec la représentation nationale. Vous savez que cette formule, c'est une formule de Jules Grévy, des premiers présidents de la Troisième République, quand il est élu après justement la démission du maréchal de MacMahon. Eh bien, son premier message aux chambres est pour dire qu'il n'entrera jamais en lutte avec la représentation nationale. De la même manière, on pourrait dire que le Conseil constitutionnel a fait sienne cette formule, mais revisitée au goût du jour, une centaine d'années plus tard, pour dire qu'il n'entrera jamais en lutte avec la représentation nationale. Donc, ce self-restraint du juge constitutionnel interdit au Conseil de juger du bien fondé des décisions, du but poursuivi. Et ceci, il le dit en 1975, dans une décision elle aussi tout à fait importante, parce que, outre qu'elle était l'une des toutes premières, pas la première comme on dit parfois, mais l'une des toutes premières, rendu sur une saisine parlementaire, concernait la loi qui a autorisé l'interruption volontaire de grossesse, et on voit d'emblée les questions éthiques que pouvait soulever une telle loi, et c'est à cette occasion que le Conseil va dire qu'il ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation et de décision que le Parlement. Ainsi, s'interdit-il de sanctionner, de rechercher les détournements de pouvoir du législateur.
Ainsi respecte-t-il son pouvoir discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire du législateur. C'est à ce dernier qu'il revient de définir l'intérêt général, par-delà les alternances, les choix politiques, que le Conseil n'entend pas remettre en cause. Et je vais vous donner un exemple récent, tant plus intéressant qu'il a donné lieu, somme toute, à deux décisions. Par exemple, il ne se prononce pas sur le choix de permettre désormais le mariage entre personnes de même sexe. Alors, dans un premier temps, il a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui visait la loi qui existait à l'époque, c'est-à-dire la loi qui ne permettait pas le mariage entre personnes de même sexe. Et donc, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, il était appelé à se prononcer sur l'inconstitutionnalité qui aurait été celle de cette loi. Et là, il va déclarer qu'il est loisible à tout moment au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garantie légale des exigences de caractère constitutionnel, et il rappelle aussitôt qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur. Traduisons. La loi qui jusqu'alors interdit le mariage entre personnes de même sexe n'est pas inconstitutionnelle. En revanche, il appartient au législateur à tout moment de changer la loi dès lors qu'il ne prive pas de garantie légale une exigence constitutionnelle. Puis le législateur, peut-être un peu ainsi invité par cette écriture, a changé la loi. Enfin, ça n'aurait pas suffi. Précisément, le législateur change la loi, à la suite d'ailleurs d'un changement de majorité politique en France. Il change la loi, et là, bien entendu, cette loi, elle est déférée au Conseil constitutionnel, cette fois-ci par les parlementaires, mais finalement, peu importe la procédure, là n'est pas notre sujet. Au motif que cette loi qui va permettre le mariage entre personnes de même sexe est contraire à des exigences constitutionnelles. Et là, que va faire le Conseil constitutionnel ? Eh bien, il relève que le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachée au mariage, et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte en matière de mariage, de cette différence de situation. Et la loi a été déclarée conforme. Plus encore, dans un autre domaine, le Conseil va jusqu'à faire sien les buts d'intérêt général poursuivis par le législateur, et donc à accepter une atteinte à des droits constitutionnellement garantis. C'est ainsi qu'on a pu constater, une thèse notamment soutenue récemment l'a bien montré,
comment le Conseil a pu accompagner, nous dirons accompagner, des politiques mises en œuvre par le législateur pour concilier les atteintes à tel ou tel droit fondamental avec les exigences tirées de la sauvegarde de l'ordre public. Par exemple, en admettant de nombreuses lois sécuritaires et en déplaçant le curseur de constitutionnalité dans une zone de plus grande tolérance, nous dirons, que d'ordinaire, ce qui laisse à penser que certains grands principes sont à ce moment-là à géométrie variable. En second lieu, quand le Conseil va aller à la sanction, puisque là on voit qu'il ne va pas à la sanction, il valide ou il ne se prononce pas sur l'inconstitutionnalité prétendue. Quand il va jusqu'à la sanction, et c'est là qu'on va retrouver notre positivisme kelsénien, tout à fait triomphant, il se borne à une stricte conception de son rôle, celui du juge aiguilleur. Alors la thèse du juge aiguilleur, c'est celle de Kelsen, selon laquelle l'inconstitutionnalité matérielle ou substantielle, comme vous voulez, est en définitive une simple méconnaissance de la hiérarchie des normes. Elle se ramène, selon les termes de son disciple Charles Eisenman, qui a fait connaître son œuvre en France, elle se ramène à une inconstitutionnalité de procédure. Ainsi, quand le juge estime ou se prononce sur la substance même de la loi, pour dire que le législateur viole un grand principe fondamental défini dans le préambule de la Constitution, eh bien, en définitive, qu'a fait le législateur ? Le législateur, il a violé simplement des règles constitutionnelles de répartition des compétences. En d'autres termes, la sanction qu'il va prononcer n'est jamais une condamnation de fond. C'est une simple condamnation de procédure, une condamnation de forme. Le législateur a excédé sa compétence en intervenant dans une matière qui ne lui était pas attribuée. De cette manière, le contrôle de constitutionnalité, il ne méconnaît pas le grand principe démocratique, la représentation de la volonté nationale par le législateur parlementaire. Il sanctionne une simple erreur de procédure, il agit comme un garde-barrière, ou comme un aiguilleur, si vous préférez toujours filer cette métaphore ferroviaire. Il ne porte pas de jugement de valeur sur la loi. Il n'apprécie pas sa moralité. Il se borne à dire que le législateur n'avait pas compétence pour prendre telle ou telle mesure. Par exemple, eh bien, le Conseil ne va pas condamner les atteintes à la liberté d'association en 1971, à la liberté individuelle en 1977, au droit de propriété en 1982, au pluralisme de la presse en 1984 et ainsi de suite. Il sanctionne seulement l'incompétence du législateur ordinaire à décider de telles atteintes. Ainsi, l'inconstitutionnalité pour incompétence matérielle n'est jamais absolue. Le Conseil ne prononce pas une invalidation définitive. Il est un aiguilleur qui indique la voie à suivre. Si le législateur ordinaire n'avait pas compétence pour édicter la disposition,
un législateur supérieur dans la hiérarchie des normes pourra l'adopter dans les formes requises selon la bonne procédure. Ah, ben quelle est donc cette bonne procédure ? Cette bonne procédure, l'un des plus grands constitutionnalistes du XXe siècle, qui était le doyen Georges Vedel, a utilisé pour la décrire la métaphore du lit de justice constituant. Du lit de justice constituant. Qu'est-ce que c'est que le lit de justice ? Le lit de justice, ceci nous ramène à l'ancien droit, avant la Révolution. Lorsque les parlements, qui sont des faux amis, car les parlements de l'ancien régime ne sont pas des assemblées parlementaires, ce sont des juridictions. Lorsque les parlements d'ancien régime refusaient d'enregistrer un édit royal, eh bien le roi pouvait les y contraindre en cassant leur décision au cours d'un lit de justice dans lequel il apparaissait en majesté, couronne sur la tête, et il cassait la décision du parlement. Eh bien, filant la métaphore, le doyen Vedel nous dit que lorsque le Conseil constitutionnel annule une loi, dans une forme solennelle de la révision constitutionnelle, le Parlement, réuni en congrès à Versailles, à une majorité qualifiée, eh bien peut adopter une loi constitutionnelle reprenant la disposition censurée, ou alors en adoptant une loi constitutionnelle qui permettra au législateur ordinaire de prendre la disposition qui avait été censurée. Et toujours ceci, parce que pour les positivistes, l'inconstitutionnalité d'une loi se ramène toujours, en dernière analyse, à une inconstitutionnalité de procédure, et donc à une procédure qui va obliger les pouvoirs constitués, le juge constitutionnel est un pouvoir constitué, à respecter la volonté du pouvoir constituant, et le Parlement, réuni en congrès, est bien un pouvoir constituant. A fortiori, bien sûr, si le peuple lui-même se prononçait par référendum. Mais point n'est besoin d'aller jusque-là, le Parlement, dans la forme solennelle de la révision constitutionnelle à une majorité qualifiée, est bien le pouvoir constituant. Exemple, lorsque le juge constitutionnel en France, à deux reprises, annule une loi qui tend à établir des quotas de sexe pour des élections locales, municipales en 1982, régionales en 1999, au motif que les articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposent à toute division par catégorie des électeurs et des éligibles, eh bien, il a fallu pour l'imposer, et cela a été fait, en passer par une révision constitutionnelle de 1999 qui a établi la parité. Autre exemple, après l'annulation d'une disposition privant du droit d'asile un étranger, se l'étant vu refuser par un autre État, mais un autre État parti à l'accord de Schengen. Eh bien, le Parlement constituant a autorisé expressément la conclusion de tels accords, donc de ces accords de Schengen, non sans mentionner également que la République pouvait toujours accorder l'asile à un étranger persécuté, c'est la révision constitutionnelle de 1993. Alors la limite d'une telle intervention, pourrait résider tout simplement dans l'existence de lois supraconstitutionnelles. Ou bien alors, qui ne pourrait pas faire l'objet d'une révision, ce qui en pratique revient au même. Mais précisément, ce n'est pas le cas. Alors, certaines constitutions, et nous y revoilà, comme la constitution allemande, comportent des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision.
notamment celles qui touchent à la dignité de la personne humaine et aux libertés. Inutile de vous en expliquer les raisons. En France, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de disposition supraconstitutionnelle, ou plutôt il y en a une, et une seule, qui est que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision. Alors, à partir de cette exception, certains ont essayé de construire quelque chose qui irait au-delà de la signification littérale de la formule, c'est-à-dire qu'il est interdit de rétablir la monarchie. Et ils se sont demandé si derrière l'expression « forme républicaine du gouvernement », il ne fallait pas y établir certaines valeurs, alors évidemment lesquelles ? Le problème est là. La liberté, l'égalité, mais certains disent la laïcité par exemple, tout à fait propre au régime français. Ou encore l'indivisibilité de la République, puisqu'on nous dit que la République est indivisible. Donc si la République est indivisible, si vous supprimez l'indivisibilité, vous portez atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Une interprétation hasardeuse, mais certains l'ont eu. Certains l'ont eu en 2003, notamment lorsque une révision constitutionnelle est intervenue à l'initiative du Premier ministre d'alors pour dire que la République française avait une organisation décentralisée. Donc il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel sur quelque chose qui était une loi constitutionnelle. Mais le Conseil constitutionnel a refusé d'en connaître, en disant qu'il ne connaissait pas justement des lois constitutionnelles, il a une compétence d'attribution, il ne connaît pas des lois constitutionnelles qui s'imposent aux juges constitutionnels, car elles sont l'expression de la souveraineté nationale, le constituant exprimant la souveraineté nationale. En conséquence, en droit positif, il n'y a pas de normes supraconstitutionnelles qui s'imposeraient aux législateurs et qui s'imposeraient aux constituants que ce dernier ne pourrait jamais modifier. Et encore, s'il y en avait, que le juge constitutionnel, eh bien, nous dit le Conseil, n'aurait pas compétence en tout état de cause pour sanctionner leur violation. Donc, rien ne s'oppose à ce que les droits fondamentaux, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, soient, oresco referens, modifiés, voire supprimés. Comme ils ne sont plus seulement des monuments historiques, intangibles du fait même de leur ancrage à l'époque de leur adoption, et qui ainsi seraient dotés d'une puissance symbolique inversement proportionnelle à leur faiblesse normative, mais comme précisément ils sont devenus du droit positif par leur insertion dans la Constitution, eh bien, ils sont en revanche, à ce titre, comme droit positif, sujet à modification, comme toute autre disposition de la Constitution. Et ils ne sont donc plus assurés de ce caractère intangible. Et ça, c'est tout à fait fondamental pour nous, parce que ce changement de nature, si je peux ainsi m'exprimer, vu le sujet, nous invite à nous pencher sur ce qui étaient ces droits sous la Troisième République. Sous la Troisième République, il n'y avait pas véritablement de constitution. Il y avait des lois constitutionnelles en France, et donc il n'y avait pas de préambule ou de déclaration de droits qui figurait dans ce qu'on appelait à tort, peut-être, la constitution de la Troisième République, et qu'il vaut mieux appeler en juriste les lois constitutionnelles de 1875.
Pourtant, historiquement, il existait bien des déclarations de droit, notamment celle de 1789. Bien, les grands juristes de l'époque, les grands publicistes qu'étaient par exemple les doyens Duguy et Horioux, et pour une fois d'accord, car ils n'étaient pas toujours entre eux, eh bien, ils considéraient l'ensemble de ces droits comme supérieurs matériellement à la Constitution. Le premier, je le cite, donc Duguy, disait « Le législateur ordinaire reste lié par la déclaration. Il lui est interdit de la violer sous peine de faire une loi contraire au droit. » Le second, Maurice Horioux, développait l'idée de constitution sociale et il disait que cette constitution sociale, dont la déclaration serait partie intégrante, eh bien, serait plus importante que la constitution politique parce qu'elle se compose de principes et que les principes sont toujours au-dessus des textes. Et elle disposerait ainsi d'une légitimité constitutionnelle supérieure à la super-légalité de la constitution politique. Ce n'est pas moi qui parle, c'est donc le doyen Horioux à la fin du XIXe siècle. Or, à l'inverse, dans notre système qui a intégré les droits et libertés fondamentales dans le texte de la Constitution, leur donnant effectivement un poids positif qu'elles n'avaient pas antérieurement, mais en même temps qu'elles leur donnaient ce poids positif, elles ne pouvaient pas leur donner davantage puisqu'il n'y a pas de superconstitutionnalité, et donc ces droits, en théorie, seraient modifiables. D'ailleurs, le précédent président de la République avait constitué en 2008 une commission dont il avait donné la présidence à Madame Simone Veil, qui était chargée de réfléchir aux modifications qui pourraient être apportées au préambule. Alors cette commission avait sagement conclu qu'il valait mieux ne toucher à rien, mais le seul fait qu'on y ait pu penser est tout à fait révélateur. Au demeurant, point n'est besoin d'aller jusqu'à de telles extrémités, tout simplement parce que ces droits, et nous allons le voir dans un second temps, sont tout à fait adaptables et adaptés par le Conseil constitutionnel. Comme le temps passe, je ne vais pas m'y étendre. Sachons seulement que le Conseil constitutionnel, chez nous, à interpréter les différents droits énoncés par le préambule et que selon l'interprétation qu'il en donne, bien sûr, il y a une variation d'interprétation possible et donc de portée possible donnée à ces droits. On peut prendre les exemples du droit de propriété, par exemple, qui a connu en ce domaine des évolutions et qui conduit à s'interroger sur le caractère intangible d'un tel droit. Et pourtant, et c'est notre second point, mais il va falloir aller plus vite, c'est notre second point, on peut se demander s'il ne reflète pas malgré tout une sorte de droit naturel immanent. Les droits avec lesquels la législation entre en conflit sont en réalité des droits intangibles. Et une décision d'inconstitutionnalité n'invite pas à les modifier, mais bien à les respecter. Mais ceci suppose une transcendance des droits de l'homme dont le juge constitutionnel sera le gardien. Et là encore, à s'appuyer sur la démonstration du doyen Vedel, qui nous explique que l'idée que le juge constitutionnel ne prononcerait pas dans ses décisions de censure une véritable condamnation au fond, qu'il se bornerait à sanctionner une procédure, est évidemment tout à fait étrangère à l'opinion publique. Et il est clair que pour le citoyen, lorsque le juge s'oppose en 1971, pour reprendre les exemples que j'avais tout à l'heure, à une loi qui limite la liberté d'association,
en 1977 à une loi qui heurte la liberté individuelle, en 1982 à une loi qui porte atteinte aux droits de propriété, eh bien, il invite en réalité le législateur à s'incliner ou à refaire une loi conforme à ses principes, beaucoup plus qu'à modifier les principes eux-mêmes. Le public comprend que le Conseil consacre l'intangibilité des principes dont le législateur se voit reprocher la méconnaissance. Et d'ailleurs, aucune révision n'a jamais été entreprise, votée certainement pas, mais ni même entreprise pour porter atteinte à de tels principes. Donc cette intangibilité, elle est bien absolue. Elle limiterait incontestablement le législateur, mais sans doute, vraisemblablement, le pouvoir constituant. L'État est ainsi limité par le droit, non pas parce qu'il se soumettrait volontairement au droit qu'il aurait créé, mais bien parce qu'il se trouve au-dessus de lui et distinct de lui, une réalité juridique qui le dépasse et le contraint. Et cet état de droit est soumis à un droit exprimant des valeurs de liberté, d'égalité, de tolérance, qui fait des individus des sujets titulaires de droits opposables à l'État et leur reconnaissent les moyens juridictionnels de les faire prévaloir, d'où le récent succès de l'introduction en France de cette question prioritaire de constitutionnalité, voie de droit nouvelle qui permettent aux citoyens de contester la constitutionnalité d'une loi. C'est donc une forme, et là je prends l'expression de Voltaire, de résurrection triomphale du juste naturalisme dont le discours positiviste voulait se prémunir. Mais cette approche peut se fonder sur la lettre même des textes. Les déclarations de droit de 1789 ou de 1946 proclament donc des droits qui trouvent précisément leur source dans la nature de l'homme, plus d'ailleurs ceux de 89 que ceux de 46. Et les auteurs de la déclaration ont bien pris soin d'exposer, de déclarer des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, en précisant que le but de toute association politique est leur conservation. Dès lors, les organes de l'État, au premier chef, le législateur, ne sont pas libres de créer n'importe quel droit, ils doivent écrire des lois conformes à ces principes, car ils constituent le principe même générateur du droit. Ainsi, si le juste naturalisme a bien sa place, c'est dans un droit naturel constitutionnel, mais qui est d'un droit naturel constitutionnel en développement, pour reprendre la formule de Vedel, qui là s'oppose à une conception fixiste du droit naturel. Ces droits et libertés ne sont pas donnés d'un seul jet, en une seule fois,
la révélation, si on peut utiliser ce terme, en est bien progressive et procède par émergence successive. Selon Vedel, cette progressivité ne retire rien à leur transcendance. Elle n'a pas pour effet de relativiser ou de rendre réversible ce droit naturel. Une fois émergé, ces droits sont acquis et rejoignent le trésor fait d'accroissement sans retrait. Et il conclut, en tant qu'il se fait, le droit naturel est immanent à la société où il émerge, mais en tant qu'il est fait, il lui est transcendant. Et telle est, semble-t-il, selon lui, la croyance générale, elle explique effectivement le peu de succès, voire l'insuccès total, qu'ont rencontré les tentatives de remettre au goût du jour, ce que j'évoquais à l'instant, les déclarations de droit. Reste ensuite à protéger ce trésor, et ce serait le rôle de gardien des libertés, qui serait celui du juge constitutionnel, et ce sera mon dernier point. Que les droits de l'homme soient donnés par la nature, conquis par l'histoire, le juge constitutionnel en est le gardien. L'une des premières fonctions reconnues à la justice constitutionnelle est certes pour les garder, de les interpréter, car le travail du juriste est une herméneutique. Il lui appartient de rechercher le sens des textes, qui peuvent être vagues ou indéterminés. Quel sens donner, par exemple, à ces deux droits naturels et imprescriptibles de l'homme, pour prendre la formule de la déclaration, que sont la liberté ou la sûreté ? Pour la liberté, on voit un sens absolument polysémique d'une telle notion. Pour la sûreté elle-même, qui peut paraître plus claire, eh bien non. Est-ce seulement la garantie de ne pas être arrêté arbitrairement ? Ou bien fonde-t-elle cette sûreté le principe de sécurité juridique, ce qui n'est pas la même chose ? La marge de manœuvre est d'autant plus large que le gardien est libre de son interprétation, sous la seule réserve, on l'a vu, mais hypothétique, d'une intervention du constituant. Et de ce fait, le juge constitutionnel, du fait de l'existence de cette stratification de textes, eh bien, a su renouveler la portée de droits affirmés au XVIIIe siècle, ou a su les dégager de formulations obscures, a su les interpréter. Je donnerai l'exemple de l'article 11 de la Déclaration, relative essentiellement à la liberté d'expression. Quand ce texte est écrit à la fin du XVIIIe siècle, il ne peut guère concerner que la liberté de la tribune ou la liberté de l'imprimerie, pour des raisons technologiques évidentes. C'est à partir de cette même disposition, sans jamais y avoir changé un mot, qu'a pu être construit tout le droit constitutionnel de la liberté d'expression et de communication au XXe et XXIe siècle, la liberté audiovisuelle, la liberté de l'Internet, des télécommunications, etc. a su en dégager à partir de textes abscons. Eh bien, je ne citerai que le fameux principe de dignité de la personne humaine qui n'existe pas comme tel dans notre corpus juridique. À l'inverse d'autres constitutions, je citais tout à l'heure la constitution allemande qui le reconnaît expressément, eh bien,
Pour ce faire, le juge constitutionnel s'est appuyé sur la première phrase du préambule de 1946 qui, je le cite de mémoire, nous dit que au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté de dégrader et d'asservir la personne humaine, eh bien le peuple français renouvelle, etc. Bon. S'il y a des régimes qui ont tenté de dégrader et d'asservir la personne humaine, c'est donc bien qu'il existe un principe de dignité de la personne humaine, et c'est ainsi que le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine a été dégagé en 1994. Et puis, si le Conseil constitutionnel, fidèle à une jurisprudence établie maintenant il y a plus d'une quarantaine d'années, se refuse à exercer le contrôle de constitutionnalité au regard des instruments de droit international, lesquels ne constituent donc pas en France des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, eh bien pour autant, il reçoit les concepts de droit international ou européen qui forment un fond commun de droits fondamentaux en les ancrant, en les rattachant à des normes constitutionnelles. Je pourrais donner de nombreux exemples, je n'en ai pas le temps. Je citerai seulement la constitutionnalisation de la règle Pacta sunt servanda, la règle essentielle de droit international qu'il a pu raccrocher au préambule de 1946, de même d'ailleurs que les principes généraux du droit international humanitaire. Demeure une toute dernière question qui est celle de la légitimité pour un juge constitutionnel, quel qu'il soit, de s'opposer au besoin aux représentants de la nation souveraine. Par définition, l'appel au droit naturel renvoie à la conscience du juge. Elle ouvre finalement le débat, n'est pas le nôtre aujourd'hui, mais on pourrait faire couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, sur le gouvernement des juges. Et entre les deux discours, celui du juge aiguilleur et puis celui du gardien des droits fondamentaux, comment établir un pont? Et là encore, je l'emprunterai au doyen Vedel, qui lui-même va s'attacher, en construisant ce pont, à se rattacher à une hypothèse très ancienne. Je vais terminer là-dessus, pas de problème. Qui est l'hypothèse de saint Anselme, à l'époque médiévale, qui veut démontrer l'existence de Dieu. Alors, je ne prétendrai pas faire la même chose aujourd'hui, mais je rappellerai uniquement ce que dit saint Anselme. En quelques mots, il nous explique que Dieu était par définition infiniment parfait, que s'il n'existait pas, il lui manquerait un attribut essentiel de la perfection, donc par construction, il existe. Et Vedel s'appuie sur cette démonstration médiévale de saint Anselme pour s'attacher à la définition des droits de l'homme. De la même manière qu'au fond, l'athée n'est pas celui qui nie l'existence de Dieu, mais l'athée est celui qui ne peut pas penser Dieu, parce que s'il arrivait à penser Dieu, eh bien, il faudrait qu'il reconnaisse son existence. De la même manière, nous dit-il, penser les droits de l'homme implique qu'ils existent, et d'une existence qui ne doit rien à ceux qui les pensent. Donc, concrètement, la pensée des droits de l'homme, quand elle se coule dans des textes de droit positif, implique leur existence réelle non contingente et une transcendance dont les attributs sont l'universalité et la pérennité. Je m'arrêterai là-dessus.
un très grand merci pour cette explication, cette démonstration détaillée, profonde, précise, concrète. Et maintenant, nous avons quelques minutes pour pouvoir échanger, c'est cela, hein ? Alors, je vois qu'il y a déjà un doigt qui se lève, il y en a qui ne sont pas fatigués, en pleine forme. Bernard. Merci pour votre longue conférence passionnante. Je crois qu'elle a passionné tout le monde, en tout cas m'a passionné, sur le rapport entre droit positif et droit naturel. Alors plusieurs choses me sont venues à l'esprit, je vais essayer de synthétiser et surtout d'être conduit à la question. Lorsque vous parlez au fond d'une sorte de retour, on pourrait presque dire caché, bon ça c'est moi qui interprète, hein, d'un droit naturel dans l'intérieur du positivisme juridique, et par le truchement en particulier pour ce qui est de la Constitution française, du Conseil constitutionnel, au fond, on pourrait presque dire que les juges sont presque des prêtres laïcs, d'une certaine manière, ils interprètent, hein, ils ont un travail d'interprétation des droits de l'homme. Ne peut-on pas penser que ce sera plutôt n'est-il pas en fait quand même un néo-positivisme, je dirais? Je suis conscient que la question est très très délicate et très difficile. Et c'est pas plutôt une sorte de néo-positivisme, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il n'y a pas une pure autoproduction du droit, mais il y a référence à quelque chose de transcendant, que vous venez de le dire. Et quand vous dites une sorte de reste ou de maintien de juste naturalisme, n'est-ce pas non plus aussi plutôt un jus ou un jus individualisme? Ce à quoi je veux en venir, je commente aussi un peu ma question. On l'a vu par exemple dans certaines décisions, et même ça pose autre question aussi, par exemple du rapport avec la Cour européenne des droits de l'homme, hein, donc il y a autrement dit une norme juridique supérieure. Et là, enfin, vous me répondrez, hein, je pose la question aux spécialistes que vous êtes, mais elle prend des positions aussi, hein. On l'a vu sur la burqa, on l'a vu récemment sur la GPA, et c'est toujours en vertu d'un critère, c'est quand même la protection des droits individuels face à l'État. Hein. Et là, c'est encore une autre instance. Et c'est dans ce sens-là que je vous pose la question, est-ce que, au travers de cela, cette intangibilité des droits de l'homme n'est pas aussi marqué au coin aussi d'un pan individualisme qui a aussi ses limites d'ailleurs. Est-ce que ça en fait, est-ce bien encore du juste naturalisme au bout du compte, hein, même de manière cryptée? Voilà. Et bon, on pourrait aller encore plus loin, mais je vais pas être trop long non plus. Oui, juste un mot, parce que j'ai déjà bien trop parlé, mais je vais tâcher de répondre au moins sur votre dernier point. Je suis finalement tout à fait d'accord avec vous sur, mais il m'aurait fallu le passage que j'aurais pu approfondir sur précisément la question la question des droits subjectifs, et il est absolument clair, et là je crois que Michel Villet a tout à fait raison, de montrer que il y a plusieurs étapes là dans le droit ou les droits naturels, et que ceux dont le juge constitutionnel serait aujourd'hui le gardien, mais je pense sincèrement la Cour européenne des droits de l'homme également, seraient essentiellement des droits marqués par le rationalisme du XVIIIe siècle, et globalement essentiellement des droits subjectifs. Alors est-ce que tous ces droits sont des droits subjectifs? C'est une autre question, et notamment ça nous conduirait à une distinction entre les droits marqués par justement l'esprit de la déclaration de 1789, des droits liberté essentiellement, et des droits absolus inhérents à la nature même de l'homme, là où les droits de 1946 que je n'ai pu qu'esquisser sont incontestablement des droits créances, comme l'on dit souvent, des droits économiques et sociaux, et qui sont plus
vraisemblablement des droits, comme les qualifiait un constitutionnaliste et surtout un politiste du XXe siècle qui s'appelait Georges Burdeau, sont des droits de l'homme situé, c'est-à-dire pas de droits de l'homme inhérent à la nature humaine, mais sont des droits de l'homme situé. Alors, l'homme situé, ça peut être justement l'homme, la femme, l'enfant, l'étudiant, le malade, le handicapé, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on aurait toute une série de droits économiques et sociaux à déterminer et à définir, toute une kyrielle de ces droits. Où commence-t-il, où s'arrête-t-il? Bon, là, c'est une déviation de la notion de droit de l'homme, sauf à précisément recourir à cette image de droit de l'homme situé, mais qui ne sont précisément plus inhérents à la nature de l'homme, puisqu'ils dépendent de sa situation. Si, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui. Muchísimas gracias por su ponencia. Como profesor de filosofía me ha correspondido explicar muchas veces el pensamiento de Kelsen y ciertamente usted nos ha presentado todas las dificultades que conlleva el derecho positivo en estricto sentido de como un sistema de coacción. El sistema, podemos decir, se corresponde a esas pretensiones de examinar las ciencias humanas sin intervención de la metafísica ni de valores morales. Y creo que es paralelo a toda la concepción de la política hobbesiana, en que es una administración del poder sin reflexionar sobre los contenidos. En el caso del derecho, creo que exhibe todos los problemas el propio Kelsen al decir que no puede decir ni una palabra sobre qué es la justicia. Su célebre conferencia de despedida se trata precisamente de eso, de qué es la justicia. Y dice, si ni siquiera en el juicio de Cristo se pudo responder a esa pregunta, mucho menos yo. Entonces, yo creo que en esa época tenía mucha validez por todo lo que significaba la ciencia, pero es que hoy la ciencia ya ha visto sus límites. Y, por ejemplo, en la política ya no es sostenible la concepción de la política como la administración del poder. Es esencial por todas partes la dimensión ética. Lo mismo en el derecho. Los dos problemas fundamentales dentro de este sistema de coactividad era la ley fundamental, que en Europa se consideraban las constituciones. Pero es que hoy día ya no tenemos ese problema exclusivamente. El problema estaba en la legislación internacional, que se consideraba un derecho imperfecto, pero es que hoy día cada vez tenemos mucha más legislación internacional que viene a ser casi más importantes que las propias constituciones. Ese es un tema clave hoy. Y otro tema es que en todas estas discusiones sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, podemos decir que paradójicamente, aunque la aprobación de esos principios va en contra de los justnaturalistas o los moralistas, en realidad va en contra también de los positivistas. Porque podemos decir que el derecho tiene que escuchar la opinión de la sociedad, los valores que van guiando la convivencia. Entonces cada vez se está mostrando más que el derecho positivo es muy bueno para todos los aspectos procedimentales de la ley, quién la debe aplicar, cuándo, pero que no sirve un poco para la construcción de los fundamentos del propio derecho. Es decir, que está muy limitada la concepción y que ya no es tan aceptable hoy como era entonces, aunque es muy cómodo por todos los elementos procedimentalistas. Sí, que hoy si tú puedes día resumir lo último de tu pregunta, porque no he podido traducir, tú sí ibas demasiado rápido. Yo lo que he estudiado un poco es que hoy tiene plena vigencia el positivismo en los aspectos procedimentales del derecho.
pero que no tiene prácticamente ninguna vigencia en el derecho internacional y en la filosofía del derecho, como lo tuvo entonces. Je ne prétendrai pas répondre à cette intervention très, très riche hein, sur la part de la philosophie et notamment au regard des normes internationales. Bon, il est vrai que je me suis placé, je l'ai dit d'emblée d'ailleurs dans le cadre de ce que je prétendais le moins mal connaître, c'est-à-dire le droit français, mais même d'une manière plus générale sur le droit qui est sanctionné, qui est justiciable et la justiciabilité du droit international reste malgré tout et en tout état de cause sa faiblesse. Je ne dis pas que ce droit est sans force, je dis que le problème de la justiciabilité du droit international demeure, quoi qu'on en pense, par rapport au droit positif national qui dispose des moyens de contrainte des États pour les établir. Donc ça, c'est un premier point. Le second est tout à fait juste sur la faiblesse que peuvent ressentir les positivismes au regard de l'évolution des normes, sauf en tout cas à admettre que le législateur à tout moment peut prendre et reprendre ce qu'il a fait, comme Pénélope qui tisse sa tapisserie et puis qui la défait et puis qui la refait, etc. Et tout cela finit aussi par tourner en rond. Et le positivisme, de ce point de vue-là, n'est plus réduit qu'à une technique pure, d'ailleurs, c'est ce qu'écrivait Kelsen, mais une technique pure d'avocat, diriez-vous, j'allais dire en termes anglo-saxons, c'est-à-dire de juriste, au sens le plus large du terme, de gens qui connaissent la mécanique et qui se bornent, tels des mécaniciens, à faire tourner les rouages, mais sans savoir où les mène le moteur. Merci beaucoup. Autre question ? Oui ? Juste derrière. C'est aussi un professeur de mon père. D'accord. Antonio Osuna, de la Facultad Teológica de San Esteban. Creo que hay que felicitar al conferenciante por la magnífica conferencia, tan ilustrativa y tan clara, sobre todo para las gentes actuales, porque hasta ahora estábamos tratando temas históricos, pero nos enfrentamos con un problema de hoy día. Yo no tengo nada que objetar, porque todo ello responde pues a mis enseñanzas, porque han sido enseñanzas en esta materia y eran conformes con ello. Solo quisiera añadir un pequeño detalle introducido porque las conversaciones están dedicadas también a la Escuela de Salamanca. Vitoria, cuando distingue el derecho natural y el derecho positivo, pues arma una cierta confusión, porque resulta que el derecho de gentes, o sea, lo que hoy llamamos los derechos humanos, pues los pone en el derecho positivo. Y esto es una dificultad para el lector moderno, no porque fuera errónea la doctrina de Vitoria, sino porque leído hoy, en el siglo XX, nos induce fácilmente a confusión. Él, en el derecho positivo, distingue lo que obedece a ex condicto, o lo que él llama también ex beneplácito humano, y lo que se refiere a consecuencias derivadas de la naturaleza humana, o sea, del ser humano como tal. Y esa distinción permanece.
pero lo que ya no permanece es lo que hoy llamamos positivismo y lo que Victoria llamaba positivismo. Esto induce fácilmente a error. Por eso ya la misma escuela de Salamanca, Victoria, pero también sus sucesores, pero sobre todo quisiera aludir a Francisco Suárez, al que nos ha aludido mucho en estas conversaciones, pero que es también un profesor de la escuela de Salamanca, pues dice que el derecho positivo lo que le distingue es estar enunciado en mores, o sea, lo que llamaríamos en moral las costumbres. O sea, está enunciado y está propuesto, y porque está propuesto en esas costumbres, quien va contra la costumbre peca, hace una injusticia, algo inmoral. Por consiguiente, ya se ve que es muy recta la explicación que daba la escuela de Salamanca, pero hay que tener en cuenta que su traducción hoy es difícil porque induce fácilmente a confusión. No era nada más que esto que quería añadir, pero muy bien la conferencia y le felicito al conferenciante. C'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, il ne s'agissait pas d'une question, mais d'un très intéressant et très riche complément à ce que j'ai pu dire modestement et que l'on vient de me traduire. Et donc, j'approuve, et bien entendu, je me range tout à fait à ce que vous avez, de ce que vous venez de dire, et je lirai Victoria avec ce fort intéressant éclairage que vous venez de nous donner. Autre question ou bien on poursuit pendant la pause ? C'est la pause maintenant, n'est-ce pas ?